Hey, salut à tous, c'est Toyoni. On est parti pour ce nouvel épisode du tutoriel du terraforming avec WorldEdit. C'est l'épisode 3. Et dans l'épisode précédent, on a appris à former le terrain, à faire la base de la formation du terrain. Donc on a corrigé tous les défauts. Ouais, tous les petits défauts comme ça qui allaient pas. Là aujourd'hui, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va vraiment fignoler le terrain. On va apprendre à faire des jolis pics montagneux et tout, on va apprendre à faire des rivières, on va vraiment bien former le terrain. Là c'est vraiment de la précision. On va préciser le terrain, donc ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait tout simplement corrigé les petits bugs. Enfin les petits bugs, les petits. Comment dire? Les petits endroits où ça allait pas, là où c'était un peu le bordel. Faut même déjà corriger tout ça. Ouais, faut même encore le corriger parce qu'il y a quand même encore des trucs qui vont pas encore. Bref, alors on va encore réutiliser les commandes. Enfin, on va réutiliser les commandes de l'épisode précédent. On va les réutiliser pour faire les rivières. Pour faire. Enfin, on va pas mettre l'eau, on va juste former les rivières. Bon. Donc, déjà, on va utiliser les commandes de la dernière fois. Donc, je vais les taper. Hop, donc voilà, ça on le vire. Déjà, ça va être simple. Alors oui, le petit inconvénient c'est que voilà, faut faire comme attention. Hop. Voilà, on met un par trois, hop. Histoire 2, hein. Voilà. Donc ici, on va juste faire un lac, hein, tout simplement. Là, on va remettre tout ça bien comme il faut. Alors, vraiment, faut faire attention, hein, parce que l'eau, ça compte. Donc ici, on va dire, on met tout simplement la pierre. Voilà. Tout simplement pour que ce soit plus joli. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire notre petit lac bien sympatoche. Tiens, d'ailleurs, on va faire un smooth, hein, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à corriger. BR, smooth 4. Voilà. Juste corriger quelques petits trucs, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui vont pas, quand même. Hop là. Tiens, ici, on va pouvoir corriger un petit peu. Hop là, ici, pareil. Ok. Bon, c'est déjà beaucoup plus sympa. Hop. Voilà. Tiens, là pareil ici aussi, on va. Alors, ouais, évidemment que ça marche pas, parce que j'ai pas appliqué la commande jusqu'au bout. Donc j'ai vu apparemment que Minecraft allait disparaître dans quelques années, d'ici 2-3 ans. Moi franchement j'espère pas quand même, hein, parce que Minecraft c'est quand même un jeu que je kiffe vraiment beaucoup. Et j'espère vraiment pas qu'il va disparaître. Donc vraiment, parce que il y en a plein, ils le disent, hein. Minecraft c'est un jeu de merde et tout. Mais quand même, on peut se faire plaisir, c'est quand même un jeu où voilà, on est quand même assez libre. Alors, c'est des cubes, je suis d'accord, mais on peut faire vraiment ce qu'on veut avec. Le jeu est vraiment. Il n'est pas figé. Et c'est ça qui est cool. C'est que vraiment, il n'est pas du tout figé, on peut faire ce qu'on veut avec. Enfin, il n'est pas libre de droit non plus, mais voilà. C'est quand même vachement sympa. Donc, ici, bah, qu'est-ce qu'il y a à corriger de plus? Voilà, rien. Oh, ici, je verrais bien une petite source comme ça, là. Bon, on le fera après. Là, pour l'instant, voilà, on corrige juste vite fait quelques petits bugs. Hop. Voilà. Hop, ici on fait ça à la main.
Non, vraiment, j'aimerais vraiment pas que Minecraft disparaisse. Putain, moi je serais triste, hein, vous imaginez. Minecraft, arrête, j'y joue pas non plus depuis 10 ans. J'y joue depuis 3 ans et quelques. Ben, ouais, ça fait un peu plus de 3 ans que j'y joue. Arrête, je jouais à Minecraft avec mes potes. J'ai commencé à jouer à Minecraft avec mes potes en 2017, mais j'ai commencé vraiment à y jouer en 2020. Vraiment, en fait, je connaissais pas le mode créatif, parce qu'en fait, en survie, je me faisais chier. Parce que la survie, on va pas se le cacher, c'est nul. Mais quand on build, on se fait plaisir en créatif, là, c'est vraiment fun. Donc, ouais, franchement, ce serait vraiment dommage que Minecraft soit plus à la mode. Donc, aura une page importante de l'histoire va se tourner. C'est vrai, ça fait quand même... ça fait combien de temps que Minecraft existe? Ça doit faire au moins une quinzaine d'années, je pense. Hein. Minecraft, ça fait, je crois, 2009. 2009 que ça existe. C'est vraiment ouf. Ok, bah là je crois que j'ai à peu près corrigé tous les petits trucs qui va pas. Là vraiment on va fignoler. Donc on fait slash none, hein, je vous l'ai appris dans l'épisode précédent. Pour enlever la commande de l'outil. Hop, et là on va creuser, on va faire un petit lac. Ici là. Je verrais bien un petit lac. Hop. Ou alors non, on fait le lac qui est juste ici. Voilà. Alors on met pas non plus une trop grosse sphère. Alors on va faire un BR sphère 1 par 2. Ça devrait être bien. Alors 1 par 2 s'il te plaît. Histoire de faire vraiment des... Alors non, justement. Alors 0 par 2, pardon. Excusez-moi. C'est ça. Voilà. Vraiment des... petite sphère. Alors, voilà. Hop, et là on peut faire un par un. Hop. Vraiment pour corriger quelques petits détails. Hop là. Juste pour faire une petite source vraiment sympathique. Hop. On remet le smooth. On remet smooth par 3. Ça devrait suffire. Hop. Ouais, par 3 ça devrait suffire. Et on a de quoi faire quand même, hein. On a de quoi faire quand même un joli... une petite source comme ça là. Ça pourrait être vachement sympa. Hop, on fait une petite retourne comme ça. Ça devrait le faire, hein, je pense. C'est clairement... clairement ça. Voilà, là ici on va faire un petit pic montagneux, ça va être vraiment sympa. On fait le lac. Enfin le lac. Ouais. Ouais, je verrais bien un petit lac ici. Hop. BR sphère 0 par 3. Hop. C'est parti. Je vais faire ça sur toute cette... profondeur. Voilà. Juste un petit étang au bord de la rivière, hein. C'est assez Ou alors non, on fait directement on fait directement arriver de la rivière. Ça pourrait être sympa. Hop. Ah ouais, ça pourrait être vachement sympa. Donc vous faites le BR sphère 0 par 3 pour creuser. Je pense que vous avez compris un peu le principe. Donc là on utilise à peu près les mêmes commandes que l'épisode précédent, mais après on va utiliser d'autres commandes qui sont plus sympas pour faire les pics montagneux. Vous allez voir, on va utiliser une autre commande pour faire des falaises aussi. On va utiliser d'autres commandes assez sympas. C'est lequel, c'est toi? Ouais, c'est ça. Alors... alors c'est perturbant. C'est perturbant de faire la flotte. T'es obligé de mettre dans l'eau, c'est pas pratique. Voilà. Ok. Donc là en vrai c'est pas grave si tout n'est pas en pierre, mais c'est pas vraiment le but. Hop. Hop là. Donc on en...
On a plané tout ça pour que ce soit bien sûr plus joli. Donc on remettra l'eau quand je vais vous apprendre à faire les mers et les. Enfin les mers. Plutôt les étangs et les rivières. Parce qu'on va faire des rivières. Ouais, je vais vous apprendre à faire des rivières qui sont vachement sympas quand même. Hop. Ah. Bien vu. J'ai mis. J'ai mis la sphère. Alors, comment je fais déjà none. Voilà. Je sais plus ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Ah si, je sais. Hop. Je vais faire un cylindre de 1 par 3. Voilà, juste pour... Ah. C'est vrai qu'il y a la flotte, donc ça va être forcément un peu plus compliqué. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on est pas mal au niveau de ce lac. Voilà, ce petit étang. Enfin, c'est juste... c'est juste une entrée... Juste vite fait l'entrée de la grande rivière comme ça. Donc on va dire c'est un étang, mais c'en est pas vraiment un. Mais peu importe. Pire comme vrai étang, je sais pas où est-ce que je peux en mettre, hein, sans déconner. Je sais vraiment pas où en mettre. À la limite là, ici, là. Ah mais vraiment petit, hein. Là c'est vraiment un petit étang pour le coup. À la limite. Hop. Ouais, là, c'est vraiment tout petit, hein. Hop, là, on a plané tout. Chut. Voilà, vraiment, là, c'est vraiment un tout petit étang. C'est sympa. Hein. Hop, là. Alors, faut juste pas voir ici, là. Voilà. Hop, là, on arrange tout ça, évidemment. On sent le fait à la main parce que bon voilà. Hop. Et des fois faites des fois s'il y a des trucs qui vous convient pas, enfin corrigez à la main vraiment. C'est d'abord c'est apprécié quand même. Alors déjà là c'est plus sympa. En fait ça fait tout droit, j'aime pas ça. Voilà. Donc on a fait les rivières, c'est vachement sympa. Maintenant on va faire des commandes assez fun. Donc là on va apprendre à... Là on va surélever les blocs. Donc là je vais enlever tout ça. Je vais faire ça sur tous les outils, mais il me semble que c'est pas sur tous les outils. Donc... Là on va faire une commande sympa quand même. Donc là on va surélever les blocs. Alors moi j'ai utilisé la flèche. Alors en gros vous allez faire... J'ai masque et vous faites le signe au-dessus. Alors moi je sais pas comment on fait, je crois que c'est ça. Ouais c'est ça. Donc vous faites au-dessus de 1. Hop. Vous faites masque 0 quand même. Masque 0. Et vous faites un BR sphère 1 par 3. Ça devrait suffire. Donc et ce que ça va nous faire, c'est que ça va nous surélever les blocs. Et ça, c'est vachement sympa. Hop là. Ça va nous surélever les blocs. On va pouvoir faire des jolies falaises. Hop là. Donc là, après, pour l'instant, c'est pas hyper beau pour l'instant. Mais on va l'arranger après. Avec le smooth, vous allez voir, on va tout arranger. Hop. Hop là.
Voilà. Bon, c'est super sympa quand même. Putain. Une gourde commande. Hop. Voilà, on agrandit bien tout ça. On va même faire un pic montagneux ici, je trouve. Ça pourrait être vachement sympa pour un pic montagneux. Eh. Voilà, là, on... Vraiment, on... Là, le but, c'est de faire une mini-falaise. Oula, je fais une petite bêtise ici, hop. Hein. Ah, non. Voilà, bah déjà, on peut faire des jolis pics, là, comme ça. Évidemment, là, on monte, quand même, hein, parce que... Bah, et déjà, comme ça, là, on a quand même une bonne gueule, hein, quand même, hein. Pas mal. Bon là évidemment on fait un smooth parce que après, sinon c'est moche. Hop là, faites un smooth quand c'est pas beau hein, parce que des fois c'est ça arrive hein, des fois c'est vraiment moche. Hop. Voilà. Donc là faut tout aplanir. Mais si on regarde dans l'ensemble ça va vachement bien quand même. Hein. Juste pas que le truc soit non plus pas très beau non plus mais... Là on va agrandir. Ouais vite fait quand même hein. Vite fait pas non plus de ouf faut pas imposer les trucs n'importe où non plus regardez comme ça. Ouais comme ça. Comme ça. Voilà Voilà, donc là on a plani parce que c'est pas beau. Voilà, bon, en vrai, le désavantage un peu du bear smooth, c'est que ça, voilà, ça va aplatir. Alors si vous voulez faire des falaises, c'est pas pratique. Hop. 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 Voilà. Ouais, juste pour donner de la gueule à notre truc. Hein. Vraiment juste pour ça. Vraiment juste... juste ce qu'il faut, quoi. Non, là, évidemment, vous en faites, parce que là, c'est pas très beau. Voilà. Au calme. Vraiment c'est au calme, hein. Franchement, ici y'a rien à changer de base. Hein. Bon, à la limite des petits trucs comme ça. Si vraiment ça vous perturbe. Hop. Bon, voilà, cet épisode-là aussi est important parce que déjà on va fignoler le terrain. Et parce que voilà, c'est quand même assez important quand même. Hein. Ne vous chaude pas. Voilà, juste une petite montée comme ça. Hop là. Hop. Voilà. Tranquille. Ok, voilà, c'est pareil, on monte. Hop. Alors, pas faire de bêtises hein, quand même. Hein. En fait, c'est surtout lui que je voulais monter. Hop. Voilà. Hop là. Ah ouais, ça prend du temps. Je vais peut-être faire ça en ellipse.
Là, on monte tous ces blocs et on aplanit. Hop. On aplanit pour que ça fasse bien stylé. Voilà, faut. Franchement, privilégier la diagonale quand même. Franchement, votre terrain est quand même bien plus beau en diagonale que quand il est vraiment tout droit comme ça. Ça, je trouve vraiment pas ça beau. Hop. Hop là, hop. Bon, on a plein du tout. Ok. Hop, on aplanit. Bon bah lui il est mort hein. Il y a un poulet qui est mort. Voilà. Voilà. Voilà, je pense qu'on est bon au niveau du terrain. Maintenant, on va attaquer la partie 3 de cet épisode. Maintenant, on va attaquer la partie 3 de cet épisode. Donc, ce qui est les pics montagneux. Donc, en gros, là, on va faire une commande d'ailleurs super simple. On va faire slash none. Parce que, en vrai, le masque global, il commence un peu à faire chier. Ok, donc c'est bon, j'ai retapé la commande parce que là, enfin, Minecraft il buguait moi, mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous allez cliquer tout simplement, ça va créer hop là, des petits trucs comme ça qui sont vachement sympas. Alors vous devez, si vous faites ce brush, faites-le sur. Enfin, faut que les blocs là, ils soient soumis à la gravité. Donc là j'ai mis du gravier, mais en vrai vous pouvez mettre du sable hein, parce que en vrai le sable ça se fait aussi hein. En vrai le sable c'est beaucoup plus voyant. Hop. Ouais, c'est quand même bien plus voyant le sable, donc je vous conseille de mettre du sable. En vrai j'ai mis 13, mais en vrai mettez du sable, comme ça va être beaucoup plus simple. Hop. Donc là, donc BR sphère. Sur celui-là, vous mettez du 12. Hein. Donc vous pouvez mettre du 13 ou du 12. Hein. C'est comme vous voulez, vous pouvez mettre aussi du sable rouge. Hein. Ça se voit très très bien. Donc nous, on va mettre du sable classique. Donc on va s'en servir pour faire nos jolis pics montagneux. Hop. Donc faut que vous ayez des blocs qui sont soumis à la gravité. Alors par pitié, ne mettez pas des enclumes. Parce que ça va laguer et puis ça va vraiment pas être pratique. Et vous voyez, on va vraiment faire des trucs sympas. Alors ouais, je vous l'accorde, c'est pas non plus parfait, mais c'est quand même drôlement pratique. Ils vont nous servir à faire d'ailleurs nos pics montagneux. Hop. Hop là, c'est drôlement pratique. Regardez, en plus là. Bon là en vrai je vais changer un peu. Là pour le... Non, on va laisser ça comme ça. Voilà, vous en mettez comme ceci. Faut que vous en ayez... Alors faut pas non plus que vous en ayez partout non plus. Parce que bah, après ça va plus faire moche qu'autre chose. Mais en fait voilà, faut que vous mettiez juste ce qu'il faut. Sur la montagne c'est plus sympa. Après vous faites ça sur un terrain plat, ça va faire moche. Mais voilà, vraiment faites-le sur un terrain montagneux. Après, du coup là c'est la partie théorique du truc. Mais ce brush là, enfin en vrai ça vaut pour tous. Je peux pas vous expliquer. Je peux pas vraiment vous expliquer non plus ultra précis. Enfin j'ai pas non plus. Enfin en gros je peux pas vous dire une phrase qui va tout de suite vous faire comprendre.
En gros, c'est ça. Faut essayer. Faut vous tromper, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode. Faut vous tromper, vraiment. C'est pas grave si vous faites des erreurs. Vous allez apprendre de vos erreurs. Et ouais, vraiment, faut pas hésiter. Donc là, c'est là qu'on va se faire notre petit pic montagneux. Donc là, hop, on va vraiment monter en hauteur comme ça. Au moins, ce qui est bien avec le sable, c'est que ça se voit. Déjà, ça c'est vraiment sympa. Hop, là, on va monter en hauteur comme ça. Hop. Oula, j'en ai foutu un peu partout. Voilà, on monte en hauteur comme ça. Et là, on peut se faire une jolie montagne à Hollywood. Alors, bon, lui, on va refaire un masque. Hein. Alors, bien se faire. Non, par ça, parce qu'en fait, j'en ai foutu un peu partout. Donc, ça, c'est un peu normal. Alors, du coup, on refait. Ah, c'est drôlement pratique, je trouve, cette commande. Pareil, on va du coup le faire ici aussi. J'avais dit j'en faisais un. Hop. J'ai dit je faisais un pic montagneux ici aussi. On va en faire un parce que c'est quand même drôlement apprécié. Donc je fais ça en accéléré et on se retrouve une fois que j'ai fait tous les pics que je voulais. Allez, à toutes. Et me voilà de retour avec tous les pics de fait. Alors oui, il y a du sable partout sur les montagnes, on va falloir tout modifier, on va falloir tout mettre en pierre. Pour ça, il n'y a rien de plus facile, vous faites... Hop, vous prenez l'outil que vous voulez, vous faites slash mask, vous faites bear sphère 1 par 5, vous faites slash mask 12, pas 12, hein. Pas 13, pardon, pas 13, 12, hop. Et ça va être tout simple, vous faites... Vous pouvez même faire 6 hein, si vous voulez aller plus vite. Et après tout simplement les blocs de sable vont disparaître et ça va vous faire un joli terrain. Hein, voilà. Après ça va vous faire de très beaux reliefs, ça va vachement être sympa. Hop, c'est une technique que j'ai apprise il n'y a pas longtemps. Et je trouve qu'elle rend bien. Sans déconner. Franchement je trouve qu'elle rend extrêmement bien. Je trouve que c'est magnifique. Hop. Alors, du coup, mon cher, viens par là. Il y a du sable partout, hein, parce qu'il y a tout qui est tombé, il y a tout qui s'est cassé la gueule. Du coup, c'est un peu problématique. Hop. Alors, je sais pas pourquoi il y a des chevaux ici. Il y a de la pierre, normalement, il devrait même pas y en avoir. Alors, des fois je peux oublier des trucs de sable. Bref. Hop. Voilà. Voilà. Hop, super cool. Dans le prochain épisode, vous allez apprendre comment faire de la peinture. Parce que là, le sable, en fait, ça servait juste à faire les pics. Hein, parce que le sable, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est soumis à la gravité. Et en plus, ça se voit. Ça se voit de loin. Alors que le gravier, vous pouvez facilement le confondre avec la pierre. Ou alors, vous avez le sable rouge aussi. Vous avez le sable rouge aussi, il est pas mal. Hop. Regardez-moi ça. C'est magnifique, ce relief. Voyez. C'est magnifique. C'est vachement beau en plus. Alors il me semble que j'ai rien oublié. Hein. Si. Ah mais du coup il y a tous les items. Et du coup il y a tout qui s'est pété la gueule. C'est ça qui est un peu chiant. Et voilà. Du coup on a fini pour ce troisième épisode de ce tutoriel du terraforming avec World Edit. J'espère qu'il vous a plu. Qu'il vous aura été utile.
N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que vous avez franchement hâte. Hein. Moi, franchement, j'ai vraiment hâte de faire l'épisode de la peinture. Parce que c'est l'épisode le plus important, je pense. dans le terraforming. Mais là, vous voyez vraiment qu'on a fait. On a fait tout ce qu'il faut dans notre terrain. On a fait des. Wow, on a fait un magnifique pic montagneux et tout. C'est magnifique. En tout cas, j'espère que vous êtes fiers de vous si vous avez tous suivi. Bon, en tout cas, je suis très fier de moi pour ce tuto. Bon. Voilà. Bon, là, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment. Faut vraiment apprendre en fait. Faut vraiment apprendre ces notions-là. Une fois que vous les aurez apprises, ce sera rentré dans votre tête. Vous allez voir, ça va vraiment passer tout seul. Ça peut vous paraître compliqué au début, surtout quand on ne connaît pas World Edit. Peut-être qu'il y en a vous qui ont l'habitude de l'utiliser pour faire de la construction moderne comme moi. Moi, en fait, je fais les deux. En fait, je fais du terraforming. Comme en ce moment, je suis à fond, je fais des tutos. Mais voilà, c'est quand même vachement sympa. Bon, sur ce, on se dit à bientôt. À dans 2 semaines pour le prochain épisode, pour l'épisode 4. Hein. Moi, je suis super excité de le faire. Cet épisode 4. Sur ce, on se dit à bientôt pour le prochain épisode dans 2 semaines. À dans 2 semaines, les amis. Bisous, à la prochaine. Ciao.